Atelier de renforcement de capacité pour une participation citoyenne à la maximisation des recettes minières en République démocratique du Congo. Ce sujet sera exploité pour le compte du dossier dans cette nouvelle édition de Zoom Ecolive. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés. Pour ce nouveau numéro, nous aurons aussi droit à des précisions chiffrées en ce qui concerne le comportement des agrégats monétaires, précisément au 16 février 2024, ici, en République démocratique du Congo. Avant d'évoluer dans toutes nos rubriques, commençons d'abord par les nouvelles en bref. En cumul annuel, le service d'assiette du gouvernement de la République démocratique du Congo ont mobilisé les recettes publiques de l'ordre de 2383,4 milliards de francs congolais, soit plus de 882,7 millions de dollars américains au 16 février 2024. Au cours du mois de janvier 2024, le tableau de suivi de la situation financière de l'État produit par la Banque centrale du Congo renseigne un niveau de recettes publiques de 2100,9 milliards de francs congolais, dont 1646,8 milliards de francs provenant de régies financières. Liste aux détails sur zoom-copanet. En 16 jours du mois de février 2024, le régime financier de la République démocratique du Congo a collecté les recettes publiques à hauteur de 815 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 300 millions de dollars américains. Ce qui ressort de la note d'information relative à la conjoncture économique publiée par la Banque centrale du Congo le 20 février 2024. Liste aux détails sur zoom-copanet. Nouvellement élu à l'Assemblée nationale comme députée nationale de la circonscription de Lubumbashi, Mme Mireille Kyungu a été reçue par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katembe. Auprès des gendarmes de la sous-traitance, elle a plaidé en faveur des entrepreneurs du Haut-Katanga. Les deux personnalités ont échangé sur la mise en œuvre du premier engagement du chef de l'État Félix Tshisekedi, à savoir la création des emplois à travers la sous-traitance auprès de la jeunesse du Haut-Katanga en général et de Lubumbashi en particulier. Liste aux détails sur zoom-copanet. Face à ses conquérants à l'instar de l'Occident, la Chine jouit d'une capacité unique à promouvoir les secteurs de l'énergie verte en Afrique. Ces affirmations ressortent du nouveau rapport Climate Collaboration in Multipolar Times qui compare la coopération de l'Union européenne et de la Chine avec l'Afrique en matière de transition énergétique, paru le 20 février 2024. Liste aux détails sur zoom-copanet. Cette édition se poursuit telle qu'annoncée avec des précisions chiffrées qui nous seront présentées par Judith Unamaka. Aujourd'hui d'abord le cours de change, mais après le comportement des agrégats monétaires en République démocratique du Congo, précisément au 16 février 2024. C'est juste après ceci, restez branchés. Cette série de rubriques débute avec vous, Judith Udamaka, bienvenue. Merci Judith. Comme à l'accoutumée, on va prendre déjà l'évolution du cours de change, les marchés officiels et parallèles. Voilà, en prenant en compte le taux de change, soit tarif de bourse, soit le taux sur le réglementaire en République démocratique du Congo, c'est-à-dire la Banque centrale, nous avons remarqué qu'actuellement, un dollar se négocie à 2720 francs, un franc CFA se change à 4,46 centimes et 1 euro se négocie à 2930 francs. Maintenant, passons au marché parallèle. Nous sommes basés particulièrement à Kaouka et dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 dollar vaut 2700 francs, 1 franc CFA se change à 4,50 centimes et 1 euro se négocie à 2940 francs. Alors pour évoluer, j'aimerais que l'on parle de la situation monétaire de la République démocratique du Congo. Quelle a été justement cette situation au 16 février 2024. Au 16 février 2024, la situation monétaire enseigne une baisse hebdomadaire de la base monétaire à hauteur de 2,5 milliards de francs congolais pour s'établir à 8 363,4 milliards de francs congolais. Cette diminution est consécutive à la baisse enregistrée par les actifs intérieurs nets à hauteur de 499,5 milliards de francs congolais contre une hausse des actifs extérieurs nets de 497,0 milliards de francs congolais. Voilà, s'agissant des composantes, quels sont comme ça les facteurs qui résultent du cumul de la monnaie centrale? S'agissant des composantes, les reculs de la monnaie centrale résultent principalement
de la baisse de la circulation fiduciaire de 56,1 milliards de francs congolais, alors que les engagements envers les autres institutions de dépôt affichent une hausse de 40,4 milliards de francs congolais. On va finir avec les différentes variations observées sur les passifs monétaires au sens large. Les passifs antérieurs au sens large affichent une baisse hebdomadaire de 46,4 milliards de francs congolais pour se situer à 36 305,9 milliards de francs congolais. Et cette régression est expliquée par la baisse enregistrée par les actifs antérieurs nets de 543,4 milliards de francs congolais, alors que les actifs extérieurs nets ont enregistré une hausse de 497,0 milliards de francs congolais. Merci Judith pour ces précisions chiffrées. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro de Zoom Eco Live, particulièrement des chiffres clés. Merci à vous, c'était un plaisir. Parlons à présent du secteur minier en République démocratique du Congo, où il a été organisé un atelier de renforcement des capacités pour une participation citoyenne à la maximisation des recettes minières. Ce sera présenté par Deborah Muzinga. Le dossier du jour, on en parle avec vous, Déborah, bienvenue. Merci, Piombo. Alors, en ce jour, il sera question de cet atelier de renforcement des capacités pour une participation citoyenne à la maximisation des recettes minières en République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous en dire plus? Disons que le centre Carter de Kinshasa organise comme ça depuis le mercredi 21 février dernier un atelier au sein de ses installations qui est située dans la commune de la Gombe, en vue comme ça de renforcer la participation citoyenne à la maximisation des recettes minières à travers un renforcement de capacité des acteurs sociaux pour les échanges constructifs avec les agences gouvernementales autour des défis et obstacles liés à la mobilisation des recettes minières, particulièrement de la filière du cuivre cobalt. Alors Déborah, petite parenthèse avant d'évoluer au sujet de ces assises, elles s'inscrivent dans quel cadre exactement? Il importe de signaler que ces assises s'inscrivent comme ça dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase de ce projet de développement économique intégré du secteur minier permettant à la République démocratique du Congo de tirer comme ça de profit en ce qui concerne la démarche internationale de ces matières premières. Parlons de manière générale, qu'est-ce qui a occasionné le fait que la République démocratique du Congo ait enregistré de grandes ou d'énormes pertes de revenus dans ce secteur auparavant? Il faut savoir que la République démocratique du Congo dispose comme ça d'énormes ressources minières dont certaines sont nécessaires à la transmission énergétique verte. Et durant les 15 dernières années, ces ressources minières ne cessent d'attirer comme ça des milliers de dollars d'investissement direct étranger, notamment dans la filière cuivre-cobalt. Mais malheureusement, le pays a enregistré d'énormes pertes de revenus de ce secteur en raison notamment d'un cadre juridique permissif, des pratiques d'évasion fiscale, de fraude, de corruption, ainsi que de faiblesses en matière de capacité et de coordination des services et agences de l'État impliqués dans la chaîne de calcul et collecte de recettes publiques. Mais y a-t-il une démarche qui a été comme ça organisée pour essayer de relever la situation? Évidemment, pour résoudre certains de ces problèmes et accroître même les recettes publiques de ce secteur minier, l'État congolais a comme ça entrepris un bon nombre de réformes dont la principale reste la mise en œuvre de normes et standards de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, mais également cette révision du code minier qui a été fait en mars 2018. Alors, on clôture déjà ce dossier par ici. Merci à vous, Déborah, de nous l'avoir proposé. Ce fut un plaisir. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Passons à présent à la prochaine rubrique, c'est Zoom Wendy. Quel est le marché qui sera exploité aujourd'hui? Nous en saurons plus juste après ceci. Suivez Naomi Kandé. Débutons ces nouveaux marchés avec 1 kg de viande de porc qui se vend à 25 000 francs et 24 000 francs chez d'autres commerçants. On retrouve aussi le pied de porc au marché de Kinshasa, connu sous le nom de Makoso en Lingala, qui se vend par kilo de 7 500 francs. Pour le consommateur de peau de porc de son nom en Lingala, Poso Yangulu qui coûte entre 6 000 francs et 7 000 francs par kilo. À Kinshasa, on retrouve aussi la vente de Poso Yangulu déjà cuite à partir de 300 francs congolais.
Un kilo de côtelettes de porc varie entre 8000 francs et 9500 francs. Et enfin pour finir, un kilo de côtisse de porc se vend à 7500 francs au marché de Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Stylo et carnet à la main, prêt à noter les différents rendez-vous qui ont lieu en République démocratique du Congo, bien évidemment, qui sont directement liés à l'économie de la RDC. C'est dans l'agenda qui nous est présenté par Adassa Grasse. Regardez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La Fédération des entreprises du Congo, en collaboration avec le ministère des Finances, prépare une nouvelle session axée sur clôture de compte annuel, mise en œuvre et examen de difficultés comptables et fiscales, qui commencera du 27 au 29 février 2024. La participation est fixée à 300$. En rappel, la nouvelle session sur les innovations dans la démarche préventive de risques professionnels dans les entreprises a débuté ce 22 février 2024 au siège provincial de la FEC au Katanga et s'y poursuivra jusqu'au 23 février prochain. La participation à ces assises est fixée à 200$. Et pour finir, Diaspo Boost prépare Diaspora Summit RD Congo 2024 du 18 au 21 avril prochain à l'hôtel Pullman de Kinshasa et abordera le thème suivant: boostant la diaspora congolaise à devenir des leviers du développement économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est tard de se tirer d'affaires, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. Marché ambulant, vente à la criée, activité commerciale retrouvée en République démocratique du Congo. C'est dans Article 15 qui nous est présenté dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Suivez. Débrouillard à jamais. Je suis né à Ikela, là où j'ai fait mes études primaires. Je suis venu en Bandara, là où j'ai décroché mon diplôme d'État. C'est là le programme des papas. Il fallait que je puisse venir aussi pour faire mes études supérieures. Vu les difficultés que j'ai racontées ici, c'est ce qui m'a encouragé, c'est ce qui m'a fait que je puisse me débrouiller tant qu'un homme. Bon, c'est déjà trois ans que je suis là. Avec mes activités ici, que je continue mes études supérieures, c'est ce qui m'aide aussi à payer le loyer. Je suis célibataire, je n'ai pas encore d'enfant, ni femme. J'ai commencé avec $20. À cet âge-là, je n'avais pas les moyens. Bon, j'étais obligé de commencer avec le peu que j'avais. Voilà, quand on achetait les unités de $10, on bénéficiait 1500 francs. Avec les unités de $10. Moi, je faisais, si je vais et puis c'est fini, le bénéfice que j'aurais là,
je n'ai pas gardé, je cours encore pour aller acheter d'autres unités et puis continuer. C'est comme ça que je faisais, malgré les difficultés et puis les coûts. Mais maintenant, je suis déjà dans les 1000, hein. Je suis déjà dans les 1000 dollars. Normalement, les vrais bénéfices qu'on gagne, c'est pendant la journée. Parce qu'avec des transactions, on se retrouve parfois, fin du mois, réseau Vodacom, 50 000 en dollars, parfois 25 dollars, Orange aussi, même, Airtel, parfois vous pouvez vous retrouver avec ne plus que 100 dollars. Et puis, c'est la journée qu'on garde nos bénéfices, avec le peu qu'on gagne la journée. Et puis, en fait, à la fin du mois, parfois vous pouvez vous retrouver avec 150 dollars, 200 dollars, c'est comme ça. On connaît déjà avec les criminels, prenons le cas des criminels. Quand on connaît que là où tu travailles, tu touches un peu de l'argent, bon, vous courez trop de risques. Et puis avec, pendant la journée, on a aussi des pertes. Les clients peuvent venir et puis dire des numéros autrement, soit vous avez mal compris, vous envoyez les unités. Oui, vu les incompréhensions des clients, pour ne pas avoir des tiraillements avec les clients et puis savoir soigner avec les clients, vous êtes obligé d'encore renvoyer. J'ai mes ambitions, j'ai mes programmes aussi. Je compte après finir mes études ici parce que là où j'ai loué, c'est trop petit. Quand j'ai fini mes études ici, de chercher à aller m'installer quelque part pour commencer mes activités parce que j'ai aussi des ambitions politiques. Malgré que je fais la technique, mais j'ai aussi des ambitions politiques de postuler, de devenir aussi député, pourquoi pas un jour ministre d'État, gouverneur. À encourager tous les jeunes parce que pour devenir millionnaire ou soit un grand homme, on commence pas toujours avec beaucoup d'argent. Ça dépend juste de votre courage. Prenons mon exemple moi-même. J'ai pas commencé avec beaucoup d'argent, j'ai commencé qu'avec 20 dollars. Mais le 20 dollars là, maintenant je me retrouve avec un fonds parfois de 1000 dollars. Puis ça me permet aussi à faire mes besoins au lieu d'attendre que les parents puissent m'envoyer chaque star ou soit aller demander par-ci par-là à toute la famille. Au lieu d'aller demander, je suis obligé d'aller me battre moi-même. Pour commencer les activités, on n'attend pas seulement d'avoir une grosse somme. Seulement avec le peu que tu as. Il faut juste avoir la décision et puis une détermination. Nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe des professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de toujours nous choisir pour vous informer en ce qui concerne l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et retrouvons-nous prochainement.